Inspiration chassidique du jour, deuxième jour du mois de Sivan. C'est aujourd'hui que Hachem a donné au Bnei Israël, au peuple juif, la proposition de recevoir la Torah et de devenir le peuple chéri, le Am Segula, le trésor de Dieu lui-même, en ce jour du 2 Sivan. Parmi les rabbis de Lubavitch, il y avait chez chaque rabbi une manière différente d'enseigner la chassidut. Chacun avait sa particularité. Le Tzemach Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, troisième rabbi de Lubavitch, a introduit la particularité de parsemer les discours de chassidut avec énormément de références qui venaient du Talmud, de la Gemara, du Zohar, des Midrashim et d'autres endroits encore. Les chassidim, jusqu'alors, n'avaient pas l'habitude de suivre un discours chassidique de cette manière-là. Et donc, au début, certains avaient du mal à suivre. Mais jusqu'à ce que ce fût la fête de Shavuot, de l'an 1829, Taf Kouf Peitet, la première année de la Nesiout, de la direction des chassidim par le Tzemach Tzedek, où il y avait un chassid Rav Nachum qui est arrivé pour Shavuot. Et dans cette année-là, la fête de Shavuot tombait un dimanche et donc était précédée immédiatement du Shabbat. Cette année-là, le Tzemach Tzedek a fait plusieurs discours chassidiques qui se sont enchaînés. Il y avait d'abord un discours chassidique qui a été fait même avant l'allumage des bougies du Shabbat Parshat Bamidbar, le cinquième jour de Sivan, veille de Shavuot. Après la prière, les chassidim sont restés entre eux pour réviser et pour se répéter le discours chassidique qu'ils venaient d'entendre. Et c'est alors que le chassid Rav Nachum leur a répété tout le discours et leur a enseigné comment suivre un discours du Tzemach Tzedek en suivant tous les enseignements qui y avaient été mentionnés. Le lendemain, le Tzemach Tzedek a fait un deuxième discours qui a également été répété de la même manière, et c'est ainsi que ça a été suivi par un troisième discours le premier jour de Shavuot et un quatrième le deuxième jour de Shavuot. Ces différents discours-là sont imprimés dans les Sfarim de l'Ikutei Torah. Pour répéter ne serait-ce qu'une idée qu'il y a là-bas, c'est le premier discours qui commence sur ce qu'il y a écrit dans la paracha de Bamidbar, « Se'u edrosh b'nei Israël bet avotam »« Élève la tête des b'nei Israël ». Et l'explication d'après la chassidoute, pourquoi est-ce que lorsque on parle de dénombrer les juifs, la Torah utilise l'expression « élève la tête », c'est parce que, en effet, l'importance de chaque juif, c'est lorsque il fait son travail sur terre. Lorsqu'il étudie la Torah, il fait les mitzvot tel qu'il est, une âme dans un corps, et qu'il raffine son corps et son âme animale. Et alors, ce travail-là de remplir pleinement, d'être la personne unique avec la mission qui lui a été donnée sur terre, lorsqu'une personne accomplit cela, alors ce « ou » est drôle, la personne élève même sa tête, c'est-à-dire sa source, sa neshama elle-même, se retrouve élevée par ce travail-là. Kol Tov.